Petite coupure, désolé. Je sais même plus si j'ai sauvegardé, allez. Pourquoi il veut pas sauvegarder? De tension, va. Ok, bon bah j'ai enregistré, voilà. Merde. Allez, ok, là on court non-stop. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'on n'était plus inversé par la suite. Ok, donc là on est dans Rayman Jungle Run. C'est tout à fait ça. Ok, il y avait une vie en bas. Et il y avait un P en haut. Magnifique. J'ai tout coupé. Ok. Donc là, on va peut-être être contre le boss. Enfin! Enfin! D'où Jésus? Bon, là, il est en train de me narguer. Pourquoi je peux pas lancer mes points? Voilà. D'accord. La flamme qui fait tout l'écran. Toute l'horizontalité de l'écran. Plutôt de la verticalité. Enfin, c'est pas grave. Ah, ok, faut rester dedans. Attention, c'est très difficile, faut vraiment avoir beaucoup de skills. Oula. Beaucoup de concentration là. Ah moi ça me stresse toujours ces conneries. On sait quand qu'on pourra lancer le point. Le point de la victoire. Rock'n'roll! Tu es perdu, Rayman. What? Je n'ai rien complet. Pourquoi il dit ça? Je suis foutu! D'accord. Ok. Fallait attendre que les Electoons nous passent ce truc-là. Je n'ai pas compris. Comment est-ce possible? Bon, concentration. Alors, je crois qu'il fallait attendre super longtemps en fait, jusqu'à ce que ça soit au pixel près. Attention, qu'on soit juste à côté des flammes. Qu'il y a notre petit nez qui passe à côté des flammes. Qui est sur les flammes. Mais bon, la hitbox de Rayman, elle est assez chelou. S'il se brûle le nez, c'est rien. Et d'ailleurs, c'est un one-shot, ces flammes, d'après ce que je vois. Donc, tu es perdu, Rayman. Alors, on se met vraiment à côté, hein. Je peux pas faire plus. La musique est pas mal, en tout cas. Ah, ok. C'était ça, en fait. Ah, que le vrai combat commence. Allez, je me suis fait un peu spoil là-dessus. Je sais plus où je l'avais vu, mais peut-être sur YouTube, voilà. Mais j'avais vu purée. J'avais vu à quoi ressemblait un peu le boss final. En fait, c'était surtout des ennemis, des anciens ennemis repris du jeu. Enfin, des anciens ennemis qui fusionnent. Donc je peux plus bouger. C'est bon. Ok, lui, il balance le truc hyper rapidement. Hein, voilà, comme ça. Voilà, faut toucher comme ça. Allez, il refait notre truc. Le truc chelou. Est-ce qu'il y a une technique pour l'avoir plus facilement? Parce que là, c'est un peu chaud ce que je fais. C'est trop chaud. Non, faut pas faire comme ça. Voilà, lancer peut-être le point après. Ah, purée! Pas possible. Ouais, le pixel près. Ils s'y connaissent au pixel près, hein, Ubisoft. Si. C'est compliqué, là. Ah, voilà. Rayman 2 à côté, c'est de la rigolade. Oula.
Purée, mais je saute! Impossible. Non, mais non, c'est pas comme ça. Faut pas faire comme ça. Peut-être qu'il y a... Peut-être qu'on peut le faire juste quand le lapin c'est... Enfin, vous allez voir. Je ne sais pas comment expliquer. Voilà, peut-être comme ça, non? Juste derrière la pince? Non. Non, il faut vraiment faire comme ça. Pixel près. Pixel près, pixel près. Que voulez-vous? Allez, saute! En plus, des fois, il veut pas sauter, je sais pas pourquoi. Sur ma PlayStation 1, ça marche bien mieux. Enfin, ma PlayStation 2. J'aurais peut-être dû le faire sur ma vraie PS2 en fait. Et avec ma caméra pourrie. Oui. Parce que sur émulateur, c'est pas très fiable. Ah. Ok. Il y a des petits anges qui nous attaquent. Les anges vikings. Oh. C'est déjà un continu. C'est quoi cette blague? Votez pour Rayman! Marqué juste à droite. Non, non, j'ai fait de la merde là. Allez, crève! Saleté. Je déteste cette tronche. Il m'a tellement nargué auparavant. Cette tronche m'a tellement nargué. Alors, en fait, faut sauter bien avant qu'il lance son truc. Ouais. Bon. Voilà, c'est passionnant. Combat d'inferme! Qu'est-ce que... Quoi? C'est quoi cette blague? Bon, ok. Comment tu veux esquiver ça? Il y a vraiment des fois, ils nous prennent pour Superman. Voilà, petit saut. En fait, faut faire un petit saut au début et grand saut après. Je pense que j'ai compris ce passage. Hein? Quoi? Nouvelle attaque. Ok, il nous a fait une nouvelle attaque là. Je sais pas s'il va la refaire. Non, non. Oh oui! J'ai rien compris, mais c'est comme ça. Ah, faut taper. Mais non, mais comment tu veux esquiver ça? Mais c'est quoi ce boss? Je vais péter un câble. À ce que je vois, on lui a fait perdre quand même de la vie. Voilà. Déjà que les boss de base sont extrêmement hard, donc là, on a le boss final, c'est encore pire. Et en plus, il a plusieurs phases, quoi. Plusieurs phases hyper rares. Ça va être super avec seulement 3 vies. Bon, faut un peu connaître et puis après c'est bon. Il faut surtout pas parler. Je parle plus. Merde, putain, mais... Oh, tant pis. Ok, il y a l'autre qui est toujours en bas. Il est bloqué l'autre. Je crois que j'ai gagné dû à un bug. Merde. What? Mais comment esquiver ça si je suis petit? Oh là, mais c'est quoi ce boss? Bon, si je perds encore un continu, je crois que je vais faire une petite save test. Save state. Voilà. C'est dur à dire. Oui, je sais, je suis un petit tricheur, mais voilà. Ah, je l'ai eu deux fois. Ah, le mec qui l'a fait en speedrun, c'est vraiment un psychopathe. Hein. C'est même plus simple de faire Megaman en speedrun, limite. C'est... Bon. Je crois que... La quick save s'impose.
fait ses petits trous. C'est magnifique. On va mettre en pause. Et la magie du quick save. On se retrouve après le magnifique quick save. Donc c'est parti. J'ai eu un petit problème avec la manette. J'étais obligé de cliquer là sur sur l'écran pour pouvoir y jouer. Ah, le problème des émulateurs. Bon. On va se le faire en 2-2 parce que je me suis entraîné contre ce boss avant. Parce que ça, j'ai trouvé ça impossible. Mais en fait, j'ai trouvé la technique. Là. Même si je le fais pas très bien. Là. Bon. Ah, ça passe quand même. Ça passe comme crème. Et là voilà, c'est au pixel près ça. Heureusement que je me suis entraîné parce que c'est vraiment au pixel près. Alors on va se le faire. Je vous préviens tout de suite, hein, je ne connais pas la suite du boss. Après ce passage là, purée. Mais non, il est sérieux pour sauter aussi loin? Ah ok. Ok, c'est... C'est Pixel Land là. Putain. Hein? C'est pénible. Voyons, on triche. J'aime tricher. Ah, ce jeu à l'époque, il devait être impossible. Attention. Mais... What? Allez! Mes trois plombs à attaquer. La technique. Purée. Ouais, bon. Autant recommencer. Cliquer en même temps. Et non, j'ai encore ce problème. C'est bon. Ah la purée. Ça aurait été tellement bien de pouvoir capturer sur la PlayStation. La purée. Fail. Attention. Voilà, c'est ça la technique. Technique du speedrunner. La vieille technique. Bourrinée. Ok, il met trois plombes à sauter en plus. Avec une animation époustouflante. Purée. Un peu trop exagéré à mon goût. La musique est pas mal par contre. Le boss est chiant mais la musique est pas mal. C'est au moins le bon côté. Quand je dis ça, la musique s'arrête. Appuyez sur start pour continuer. Tu as réussi! Le monde est sauvé! Quoi? C'est juste ça la fin? Ok. C'était pas tip top comme fin. Mais voilà, nous avons enfin fini Rayman 1. C'est incroyable. J'y croyais pas au début. Voilà, on va laisser le générique parce qu'il a l'air sympathique avec les images. Par contre, la fin est complètement bâclée. Hein. Je m'y attendais pas. Je m'attendais que, je sais pas, moi, qui est. Tout le monde qui vécurent heureux et voilà avec des belles images de fin, mais non, ils ont remis la même image qu'on avait au début, enfin la même vidéo, le début, la même séquence avec seulement des feux d'artifice en arrière-plan. Ouais, je pense qu'ils ont fait ça à la va-vite parce qu'ils se sont dit à l'époque, ah, ils vont jamais réussir notre jeu. C'est obligé. Alors si on peut le finir
Si, en ayant une carte mémoire. Et moi, je n'ai pas de carte mémoire. Je n'ai pas de carte mémoire PlayStation 1. Enfin, j'aurais pu, vous me direz aussi que j'aurais pu le faire avec les sauvegardes sur émulateur. Oui. Mais à un moment donné, on sera obligé de se retaper tous les niveaux pour récupérer tous les Electoons. Et donc, bah, j'aurais trop eu la flemme, quoi. Donc la magie du mot de passe, bien sûr. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, c'est enfin la fin de ce let's play. Ce let's play incroyable qui a duré des années. Voilà. Vu qu'en fait, je sais pas, il y avait des moments où j'avais plus trop envie de continuer ce let's play de Rayman 1. Pourtant, un jeu excellent. Mais assez compliqué. Donc sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Et je vous dis bon let's play de Rayman 2. Hein, Rayman Révolution, qui est déjà... j'ai déjà lancé deux parties, donc... vous aurez sans doute la troisième, et juste après, voilà, cette vidéo. Cette partie finale de Rayman 1. Voilà. Ça me fait bizarre d'avoir fini Rayman 1 quand même. Mais je suis vraiment déçu par la fin en fait. Et il y a très peu de développeurs qui ont fait Rayman 1 finalement. Parce que le générique a duré très peu de temps. Mais bon voilà. Sur ce que dire, c'est un très très bon jeu. Du début à la fin, il reste très joli. Hein. Si je l'avais fini à l'époque... je me serais dit, ouais, franchement, que bah, le jeu est énorme. Et bah, je garderai toujours la même image que j'ai actuellement par rapport à ce que j'ai fait au début quand j'étais plus jeune. Quand j'étais allé jusqu'au monde rocheux. Enfin, le monde des... non, j'ai fait jusqu'au monde des crayons, voilà. J'avais même pas commencé, par contre, la pièce de théâtre. Dans le monde des crayons, ouais. Ouais, j'étais pas non plus allé si loin que ça, quoique, je dirais 65%, hein, à peu près. C'était quand même pas mal, alors, en faisant que avec les mots de passe. Hein. Donc, respect. Les mots de passe de l'époque, sans internet. Pas avec les mots de passe qu'on trouve partout sur internet maintenant. Bon voilà, c'était la petite conclusion un peu freestyle. Sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures.